Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, cette chronique est faite pour toi. Et cette semaine, on va parler de Aliens Fireteam Elite. Annoncé en mars dernier sous le nom d'Alien Fireteam, Alien Fireteam Elite, qui s'est donc rajouté un petit mot sans prévenir, sera le prochain titre à s'immiscer dans le fameux univers de la célèbre franchise. Pour l'occasion, on retournera à des bases d'action bien solides, puisqu'il s'agira d'un shooter à la troisième personne, jouable en coopération jusqu'à 3, et dans lequel notre équipe de Marines se devra d'affronter des vagues musclées d'adversaires. Au programme donc 11 xénomorphes différents, des synthétiques, 30 armes, 70 pièces d'équipement et 5 classes de personnages qui auront chacune des spécialités différentes. En rappel, Alien Fireteam est un jeu de survie et de tir à la troisième personne édité par Cold Iron Studio, basé sur la licence cinématographique d'Alien. Sortie prévue sur PC, PS5, PS4, Xbox Series XS et Xbox One le 24 août prochain. Et on va terminer cette chronique en parlant de King's Bounty 2. Annoncé en août 2019, King's Bounty 2 sortira finalement 2 ans pile après avoir été dévoilé. À l'occasion de l'Epic Games Store Spring Showcase, Deep Silver et 1C Entertainment ont annoncé que le jeu ne sortirait pas non plus au mois de mars dernier, mais bien le 24 août prochain. Ce retard a été expliqué par l'équipe de développement qui avait besoin de plus de temps afin de peaufiner le jeu le mieux possible avant sa sortie. L'histoire plante son cadre sur le vaste territoire d'Antara, tandis qu'un étrange fléau y sème la corruption. Impacté par le mal, des créatures terrorisent les campagnes et ses villageois. En tout cas, l'avenir de ces lieux est entre vos mains. Comptez sur un nouveau système de progression de personnages, d'escouades uniques, ainsi qu'une profondeur tactique sur le terrain. Les développeurs promettent également que l'aventure sera non linéaire et que le titre proposera une expérience de RPG très immersive, dans laquelle vos choix auront des conséquences. Vous pourrez parcourir les terres d'Antara afin de réaliser les quêtes qui nécessiteront parfois d'affronter des menaces, ce qui donnera lieu à des combats tactiques au tour par tour. En rappel, King's Bounty 2 est le dernier opus de la saga de jeux tactiques de King Bounty édité par 1C Entertainment. Explorez librement la map afin de réaliser des quêtes et de nouer des liens avec les PNJ. Les choix que vous ferez influenceront grandement sur le déroulement de l'histoire et votre expérience. Sortie prévue sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 24 août prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer. Bon game et à la semaine prochaine.